السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. La série, on va voir dans la description de la vidéo. Et aussi, on a le cours détaillé avec des animations, des activités pour mieux comprendre le cours. Donc maintenant, on va passer à la correction de l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1. Donc, elle traite la première paragraphe. Cours, exercice 1. Donc, sur la notation scientifique et l'ordre de grandeur. Donc, premièrement, terre, l'air. Donc, on va al-qamar. Donc, on a la distance, c'est 380 000 km. Premièrement, la notation scientifique. Donc, pour mieux comprendre cette astuce, donc on a kilomètre et on a un nombre. Donc on doit écrire en notation scientifique. Donc maintenant je vais dire le fenêtre. Le premier page, c'est pour nous. Il va pas se dire les lettres. Ouais, hein? Et 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 3, 4, 8, 10, à la puissance 5. Le fenêtre, c'est un kilomètre. Comme tu l'as pas, ça va, c'est le fenêtre. عندي جوج ترجع هذاك يتابع لي، يعني خاصك تكتب على شكل A في 10 على بيسونس N، وهاد A خاصها تكون كومبخي أونتخ 1 إي 9 إي 10، يعني ستريكتومون ما تساويش 10، داكوغ؟ دونك هنا غتولي عندي أومتر، هنا عندنا هذا عندنا لا غولاسيون ديال A، عندنا أن A أوس N فوا A أوس N تيكال A أوس N بلس N. Donc les puissances, c'est 3,8 fois 10, 5 plus 3 mètres. Donc c'est 3,8, 10 à la puissance 8 mètres. D'accord ? Et il y a la notation scientifique. Donc, et après, l'ordre de grandeur. عندنا 10 ou 60, عندنا ناخذ هذا النومبر A, هذا. عندي دو كا، إلا أ صغر من 5 كتبقى لوغ دو كغوندور هي هادي، دابا لوغ دو كغوندور هي هادي، كتبقى 10 على بويسونس ان، إلا كانت أ إلي سيبيريور إيكال 5، هاد لوغ دو كغوندور كنزيدو عليها 1، داكوغ؟ دونك عندنا 3 إلي انفيريور إلى 5، دونك عندنا الكا الأولى هي 10 على بويسونس 8، هادي هي لوغ دو كغوندور، دوزيام ديستونس. Donc, voyons l'atome d'hydrogène. L'atome est il y a 0,105 nanomètres. Donc, maintenant, deux tâches. Il y a 1,05. Maintenant, deux nombres, 10 à la puissance 2, moins 2 d'énergie sur l'eau. D'accord? Nano, la conversion directe est 10 à la puissance moins 9. Donc, il y a 1,05, 10 à la puissance moins 2, moins 9. Il y a 1,05, 10 à la puissance moins 11 mètres. Donc, l'ordre de grandeur. Donc, il y a 1 et 1 inférieur à 5, ce qui fait que l'ordre de grandeur est 10 à la puissance moins 11 mètres. D'accord ? Troisième cas. Donc, maintenant, dimension d'une molécule, 2 nanomètres. Donc, 2 nanomètres, afin de suivre l'esprit d'une écriture scientifique. Donc, maintenant, le molécule fait 2 nanomètres, 10 à la puissance moins 9 mètres. L'ordre de grandeur, maintenant, 2, il est inférieur à 5. Je calme comme ça, donc l'ordre de grandeur, est 10 à la puissance moins 9 mètres. Quatrième dimension. La distance est 400 km. Donc le rayon. Donc là, je vais mettre au rayon. Il y a 6,4
1, 2, 3. 10 à la puissance 3. هذا كيلومتر هي 10 à la puissance 3. Donc, maintenant, il y a 6,4. 10 à la puissance 3 plus 3. Donc, il y a 6,4. 10 à la puissance 6 mètres. L'ordre de grandeur. Donc, 6 square mètres comme ça. Parce qu'il y a 10 à la puissance 1. Il y a 10 à la puissance 1. Donc, cinquième voie, Paris d'Allemagne, ou 1,60 mètres. Donc, il y a une assemblée sur une notation scientifique. Il y a 1 inférieur à 5. Donc, il y a 1, il y a un exercice sur une notation scientifique. 10 à la puissance 0 mètres. Donc, il y a 1, il est inférieur à 5. Donc, il y a 10 à la puissance 0. Donc, il y a 1. Il y a une question sur 1. Donc, dans confirmer ou revêter les affirmations suivantes. Donc, la force gravitationnelle est proportionnelle au carré de la distance. Non. Donc, on a la force gravitationnelle de A appliquée à P est égale à F de P appliquée à A égale à G, flamasse de A, flamasse de P sur la distance au carré. Donc, ce n'est pas proportionnel. Proportionnel, il y a le 15. Non. Donc, on va essayer juste un boulot A. Égale à A, fois C. D'abord, A, A il est proportionnel à C. Et on va trouver C, c'est que Z, 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 c'est que Z. D'accord. Mais là, c'est le cabret, c'est la distance, c'est le cabret, c'est la valeur diminuée. Donc, là, il faut nous inverser. D'accord. Donc, l'affirmation de là, faux. Donc, deuxième affirmation. Une force gravitationnelle peut être répulsive. Non. Donc, s'il y a attractif. Et qu'on a une attraction. D'accord. Donc, ça dit faux. Troisième proposition. La force gravitationnelle qui s'exerce sur un corps est proportionnelle à la masse de ce corps. Donc, C. Donc, F, I, G. La masse de A, la masse de P. Sur la distance K. Donc, proportionnelle. يعني لا فورس اللي ديبون دو لا ماس دونك وي دونك هنا لي ماس الى طلعوا لا فالور ديالهم طلعت لا فورس هي غتطلع يعني لا فورس اللي ديبون دو لا ماس دونك هي فري لا فورس غرافيتاسيونيل اي بروبورسيونيل ا لانفيرس كاري وي كوم وي علاش لان هذا الى كبر هذا هاد لا فالور ديال لا ديسونس اللي تري غون La force diminue. Donc, là, là inversement. Donc, les forces gravitationnelles peuvent être exercées entre deux galaxies. Oui. Donc, mais les galaxies, non, on a les galaxies au moins de Mazarat. Donc, maintenant, là qui compte entre deux corps ponctués entre deux corps de répartis sphériques donc faux F la force d'attraction exercée par la Terre sur une vie d'acier est supérieure à la force d'attractif exercée par la vie sur la Terre non c'est qu'on a une même intensité alors c'est un énorme à la vie sur la Terre il y a une ça S sur P égale à G, flamasse de la vue, flamasse de la terre, sur la D au carré. Donc, qui connaît son théorème. Donc, elle dit ici, affirmation faux. D'accord ?